Le père de Sylvia dit qu'elle n'a pas un seul instant pour me répondre au téléphone. Que Sylvia est pressée et que je perds mon temps et qu'elle n'est plus là pour personne. Que Sylvia est heureuse, qu'il faut que je l'oublie, qu'elle doit recommencer sa vie. Et toujours ce maudit téléphone qui me réclame 2 pièces de monnaie pour 3 minutes encore. Je vous en prie, monsieur, laissez-moi lui parler si je ne dois plus la revoir. Je vous en prie, monsieur, seulement lui dire au revoir. Le père de Sylvia dit qu'elle doit partir ce soir, qu'elle va vers un nouveau bonheur, qu'elle finit ses bagages et qu'elle est en retard, que l'avion décolle à 9 heures. Qu'en entendant ma voix, elle va vouloir rester et qu'elle va se mettre à pleurer. Et toujours ce maudit téléphone qui me réclame 2 pièces de monnaie pour 3 minutes encore. Je vous en prie, monsieur, laissez-moi lui parler si je ne dois plus la revoir. Je vous en prie, monsieur, seulement lui dire au revoir. Le père de Sylvia dit qu'il va sûrement pleuvoir, qu'elle devrait prendre un parapluie, qu'il est déjà trop tard, que c'est l'heure du départ et que Sylvia me remercie. Que je devrais comprendre et ne plus l'appeler, qu'elle me supplie de l'oublier. Et toujours ce maudit téléphone qui me réclame 2 pièces de monnaie pour 3 minutes encore. Je vous en prie, monsieur, laissez-moi lui parler si je ne dois plus la revoir. Je vous en prie, monsieur, seulement lui dire au revoir. Oh, je vous en prie, monsieur, laissez-moi lui parler si je ne dois plus la revoir. Je vous en prie, monsieur, seulement lui dire au revoir. Oh, je vous en prie, monsieur, laissez-moi lui parler si je ne dois plus la revoir.